nemico che voleva impossessarsi della Val d'Aosta. Il avait été convenu que les troupes françaises rentraient en vallée d'Aoste et en vallée de Suse, et il y aurait eu des rectifications de frontières. Era la fine della guerra. Dice, perché c'erano gli italiani e i tedeschi, ma noi eravamo a casa nostra. Però noi quel che non volevamo era che i francesi venissero qui. C'era una batteria di cannoni in galleria che non aveva avuto alcun ordine. Ha sparato fino al 5 maggio sul piccolo San Bernardo. Le radici della vendetta affondano negli anni dell'oppressione nazifascista. Nel novembre 1942, anche il governo collaborazionista di Vichy è scalzato dall'occupazione militare, affidata nella Francia meridionale alle truppe italiane. Ma in Africa, il generale de Gaulle riorganizza l'armée francese. L'ultima divisione, la Littorio, era formata dai raccoglitici digiuni di preparazione militare e perciò prese degli accordi perché noi andassimo in Germania a fare l'istruzione militare. L'attacco del col du Puy Saint-Bernard, c'est-à-dire, elle s'est commencée par l'attaque du Roc Noir. Nous sommes arrivés dans des cantonnements français de première ligne, nous avons déposé nos skis et de là nous avons entendu l'ordre d'attaquer. Alors, on avait évidemment dû ingurgiter de l'alcool. On avait à peu près une pente qui faisait 300 mètres de long où il fallait qu'on court dessus. Ah, il n'y avait rien du tout, hein. Pas d'arbre, rien du tout. Il fallait courir comme ça sur la neige. Et c'était au mois de mars, fin mars, et ils nous envoyaient des grenades dessus. Alors pour nous cacher, l'artillerie française a envoyé des obus qui faisaient beaucoup de fumée pour nous cacher. Alors ça s'appelait des fumigènes. Mais en même temps, nous étions très essoufflés parce que ça montait comme ça. On absorbait ça et ça nous gênait un peu pour respirer. Mais enfin, dans le feu de l'action, on ne s'est pas arrêté. Nous avons fait 18 prisonniers. Il y a eu des morts sûrement, on n'a pas su, mais on ne les a pas ramassés. Morti ci sono stati. Che però io ne avevo ammazzato qualcuno, non lo so. E sparavi, non miravi, eh.